venait tout juste d'avoir 83 ans en fin de semaine. M. Serge Laprade, qui est décédé hier soir des suites d'une maladie, décédé dans une maison de soins palliatifs à La Prairie, sur la rive sud de Montréal. On va en parler avec Mario Lirette, animateur, qui a eu l'occasion, à différents moments de sa carrière, de travailler avec Serge Laprade. Bonjour, Mario. Salut, Mario. Effectivement, je l'ai connu il y a longtemps. On se ramène à l'époque du travail à la chaîne. Ah ouais, t'avais fait le travail à la chaîne, toi, hein? Ben, moi, pas comme invité. J'étais animateur de foule à ce moment-là à Radio-Canada, là et au Coqueluche. Ben, j'étais pas à la caméra, mais bon, je faisais à ce moment-là carrière parallèlement à la télé comme comédien dans, si tu te souviens, Avec le temps et Où quelle famille. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de travailler avec lui? On parle beaucoup aujourd'hui là, de son professionnalisme, son respect du public. Tiré à quatre épingles, d'abord. C'est une génération respectueuse du public. Je le mets dans la catégorie des grands hommes, à savoir Michel Louvain et compagnie. Ces gars-là ont toujours été fiers et, tu sais, bien se présenter. Pour eux, c'était un must. Respect du public, c'était déjà ça, la marotte. Et comme je te dis, Serge, je le mets dans la catégorie des grands hommes parce que c'est un homme respectueux, non seulement envers son public, mais envers ses camarades de travail. Alors, comme je te l'ai mentionné, j'ai connu à l'époque du travail à la chaîne. C'est un gars qui s'est... En fait, qui a su profiter de la vague de popularité sur laquelle il a surfé longtemps, à savoir... On l'a connu comme chanteur. On en a eu un exemple, Caprice et Fini, un succès qui a repris d'un succès européen, mais qui a fait un malheur ici au Québec. Un hit, carrément. C'était l'époque des hits. Pour moi, Serge Laprade, c'était mon idole, parce que j'étais un peu plus jeune que lui, quand même. Faut le dire, ouais. Comme on dit, la roue tourne, là, il était dans le banquet en haut. Prochain banquet, c'est moi et ma génération. Il n'y a pas de problème avec ça. Ceci dit, je l'ai connu à l'époque où il était déjà une grande vedette. J'allais dire, il a su se renouveler et surfer sur une vague de popularité, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté assis sur son succès de chanteur. C'était pas un grand chanteur, c'était un chanteur de charme qui a réussi. C'était un gars, un beau bonhomme, un gars gentil, comme je l'ai dit, tiré à quatre épingles tout le temps, respectueux du public, ce qui faisait son charme de un. Et ensuite, il était un excellent animateur. On l'a découvert justement au travail à la chaîne en particulier, puis on l'a retrouvé par après avec Michel Richard dans le fameux Garden Party, dans la fête des Flamèches. Ça a duré 25 ans, leur chicane, mais ils se sont retrouvés sur scène lors d'une tournée des idoles. Tournée des idoles que t'animais, là. Et ça, c'est beaucoup plus récent, là. C'est il y a quelques années à peine. Parle-moi de ça, parce que là, c'est un autre Michel Louvain, là, qui est plus ou moins à la retraite, en fin de carrière, avec d'autres de sa génération, fait la tournée des idoles. Comment il vivait ce moment-là? Ben, c'était formidable pour eux. Quand je parle d'eux, je parle de Serge, je parle de Michel, je parle de Patti Gana, je parle d'Emile Ladies, de Gilles Girard, de tous ceux-là qui ont connu la gloire dans les années 70. Chacun d'entre eux seul ne remplissait pas une salle de 850 personnes. Mais en gang, je peux te dire qu'on a fait des 30, 35 villes, 40 villes, trois fois plutôt qu'une autour du Québec. Et à chaque soir, les salles étaient pleines parce que cette génération-là voulait revoir ces gars-là, ces filles-là, entre autres Bruce Huard et Sultan, pour donner un exemple. Puis lui, ben, il vivait toujours la main présente. Et c'est sûr que quand on demandait à Serge de venir chanter, c'était son cœur qui parlait, son public d'abord, puis ensuite lui. Il était content quand il y avait du public devant lui parce que son public l'appréciait. Qu'est-ce que tu veux? Les dames... Et les messieurs, d'une certaine époque, d'un certain âge, sont contents de voir leurs idoles. Comme aujourd'hui, là, les jeunes vont aller voir Justin Bieber ou peu importe, Bruno Mars. Ça reste toujours. Là. Il y a toujours un public pour ces gens-là. Ouais. C'est sûr qu'on les voit partir, malheureusement, mais il faut, à 83 ans, commencer à penser que la vie n'est plus aussi facile. Puis bon. À l'époque de la tournée des idoles, il y avait quoi, dans les 77, dans ces eaux-là? Il était encore en bonne santé? Il était en bonne santé et il jouissait de son statut et il jouissait de la plateforme qu'on lui offrait, c'est-à-dire faire le tour du Québec, rencontrer ses fans. Et il y en avait beaucoup de fans. Parce qu'après le spectacle, ces gens-là signaient des autographes et tout le monde se mettait en ligne pour rencontrer et Michel Richard et Serge Laprade.
le public ne se dément jamais. Serge Laprade a été une idole. Il l'est resté jusqu'à la fin de ses jours. Et il était très conscient du bonheur qu'il pouvait vivre, à savoir le plaisir d'aller sur scène et de rencontrer son public. C'était un gars formidable, vraiment. J'ai entendu Daniel Lumet tantôt dire que c'était un homme accessible. J'ai pas moi non plus entendu personne dans le monde, que ce soit dans le monde du showbiz ou ailleurs, parler contre Serge Laprade. C'était un monsieur gentil, c'était un gars élégant, c'était un gars avec que des qualités. Puis on peut même parler de sa vie publique, mais aussi de sa vie privée avec Daniel. Ils ont quand même vécu 50 ans de bonheur ensemble, discrètement. Ouais. Et puis... Ils se sont mariés il y a quelques semaines à peine là, pour officialiser ça, sachant qu'il était... qu'il était malade. Ouais. Ben, je retiens ça, un homme élégant, une idole, je pense que c'est le cas. On va se laisser en musique. Merci beaucoup, Mario. Avec plaisir.